Nous voici sur Super Liminal. J'avais commencé, mais j'ai pas. L'OBS est décidé d'arrêter. Donc bon, bah on va recommencer. J'avais fait quoi? Deux pièces. Bon, le début, c'est plutôt easy. Ça va jouer avec notre cerveau, les profondeurs, les perspectives. Ton cerveau et ta vision va être mise à l'épreuve. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending SomnoSculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. SomnoSculpt, we'll make your dreams come true. Nous allons triturer vos rêves. Plutôt non. Ah, ok. Ok. C'est... Bah, c'était le terme de service. C'est con qu'on puisse pas zoomer, j'aurais bien voulu arriver à lire, mais bon, ça me tord les yeux. Donc, jusque là, tout va pour l'instant, c'est de la perspective. Ah. Hop, il nous dit perception et réalité, prends. Hop, voilà, ouais. On monte. Plus l'objet grossit, plus on le ramène vers nous, plus il devient tout petit. On peut pas mourir. Je serais déjà mort là avec la taille d'un pion comme ça. Et là, hop, je le ramène vers moi, pouf, il est tout petit. Jusque là, tout va. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to SomnoSculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Hop, si je mets les pièces de l'échec sur un truc là. Tout si c'est là. C'est pour sûrement mettre les pièces dessus, non? Pas moyen de le mettre droit. Non, bon, on va poser comme ça. Par contre, à chaque fois, faut que je recule. C'est tout, ok. RS plus, ok. Bon, là, tout va. Là, quand c'est ça, on peut pas passer parce qu'on a un objet dans les mains. Donc, t'es gentil. Voilà. Voilà, jusque là. Tout va bien. Là, on récupère notre cube. Ah! Ah non! Vas-y, il est où? Hop! J'ai rien dit, ok. Là, on va le grossir. Jusqu'à un maximum, voilà. Hop! On pose là. Hop!
Jusque là, ça va. Là, confirmed. You can move freely, voilà, interact with surrounding objects and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. C'est pas possible. I do not care. Celui-là, c'est pas possible. Mais c'est pour dire qu'il y a des objets qui peuvent être trompe-l'œil. Et selon d'où tu te mets, tu peux les choper. Donc, là, on prend ça. Paf, ok. Morceau de fromage. On va le positionner direct, hein. Ok. Vive le Gouda. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence: I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Oh. Hop là. On avait ouvert cette porte, on avait enlevé les planches ici. Et là, on avait trouvé un distributeur. Warning, you have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. Non, on avait jeté trois a variable fois comme degree ça. Of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Diet soda. Smooth. Ah, on avait racliqué. Et là, on avait un bruit digne d'un film d'horreur. Il n'y a plus rien à faire ici, j'ai déjà tout regardé. On se taille. Et voici. Je crois que c'est là. Ouais, et voici la pièce où j'étais arrivé. Avant que OBS fasse ce qu'il veut. Donc là, je par contre. Ouais, non, je pense pas que. Attends. Donc il y avait ça, et le bouton il est là-bas. Ah. Ah, ici. Allez, rentre. C'est ça qu'il faut que je fasse. Rentre dedans. Ah ouais, attends. Voilà. Fallait que je mette mon truc sur le trou, ok. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Je peux pas rentrer. Completed surveys may be eligible for a gift card. Je peux pas rentrer avec d'objets. Bah, je fais comment? Ah, ok. J'ai vu. Un peu trop gros. Mais non, mais... Voilà. Hop. Jusque là, voilà. Tout va bien pour l'instant. Voilà, ça devient complexe là. Pourquoi il y a... Qu'est-ce que je fais? Ok, bon, vas-y, on va aller là.
Ah non, non, ça y est là, ça commence à partir en chenelle. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est le truc qui va manger le cerveau, ça. Attends, y a pas un truc à faire là? Une pomme rouge, une pomme verte, des pions. Je peux rien faire. C'est des passages infinis. C'est infini! Bon ben. D'accord. Là, il y a une porte. Ah, ça a ouvert la porte. Hop hop. Non, on va faire ça. C'est quoi cette histoire? Ah, faut que je l'agrandisse, qui tombe sur les deux. Ah oui, je veux vraiment l'agrandir jusque là comme ça. Vas-y, on va le mettre hop comme ça. Bon. C'est ça. Oh putain. Le panneau comme il est devenu énorme. Attends, on peut pas Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. C'est juste un to maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Gouda. Mais ça c'est un mur, il n'y a rien à faire là-dedans. Je pense qu'il faut que je le mette là-bas. Ah, voilà. Ok. Des pièces test en fait, tu es un cobaye. C'est ça en fait. Rien faire. Ok. Les planches, rien à faire. Hein. Jusque là, il n'y a rien à faire. Ok.
C'est tout. Oh, oh putain. Je suis revenu dans mon corps. C'est ça? Quelle heure? 3 heures. Ok. Ok. Suite F. J'ai l'objectif tout. D'accord. Et 9h, 9h30 presque. Ouais, c'est ça, je crois. Salle d'attente. Je vais bugger toutes les machines. Ok, je vais prendre ma canette. On va prendre sa canette. Il n'y a rien d'autre de toute façon ici. Hein. Je prends ma canette. Faire tousser tous les extincteurs. What? Sortie, tempérament bougé, déplacé. Haute. Ça me sert à quoi de prendre tout ça là? Juste pour me dire. Attends, et si je prends ça? Ah non. Ou ça? Ouais.
on verra. On va faire tousser tout ça là. Avec une petite musique calme. Oh, oh putain, ça m'a mis un frisson. C'est quoi cette perspective de l'enfer? Oh le délire. T'es là, tu crois que c'est un mur, c'est un cul-de-sac. Et là, tu recules, déjà, tu te dis, il y a un souci. Et là, tout. Faut pas jouer à ça quand t'es bourré. Hein. Ah non, 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 non. Attends, attends, attends. Il y a plein de trucs que j'ai pas vu là. Que c'est une sortie, c'est ouf. Ok, donc là on était ici, on est d'accord. Ici j'ai pas été. Et on vient de là. Ok, donc on va aller voir là. Wow, oh putain. Je suis un géant. Mais en fait non, ça se rétrécit. C'est terrible. C'est trop bien. C'est vraiment bien foutu. Hein. Putain, les mecs qu'on fait ça là. Les gens du moins qu'on fait ça, c'est ouf. C'est trop bien foutu. Ok. Bon, ça on a fait. Là, on peut rien faire. Ça c'est la sortie. La fausse sortie. Ici, ok. Et là-bas, c'est sorti. Donc, on a tout fait. On a tout déclenché. On a vidé tous les extincteurs. Ça, c'est le but aussi. Hein. Moi, je veux vider tous les extincteurs. Allez, on y va. C'est parti. En fait, on est un cobaye. Tout ça là, c'est du fake. Regarde, il y a trois couilles, ça veut dire. Regarde, on emmène ça. Quoique, bah non, ça sert à rien, l'autre aussi, je peux pas. Ah, attends, attends, attends. Le dip. Je vais passer par-dessus, attends. Déjà, on va faire le tour déjà. Vas-y, moi j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a là. Alors, est-ce qu'on a tout déclenché? On a tout déclenché, ok. Maintenant, je vais voir moi ce qu'il y a ici. Non, reviens! What? Mais non mais... Ah ok. Je pouvais monter ici. C'est un décor, c'est vraiment... On a un cobaye, on a un rat de laboratoire. La conférence annuelle de Stercon. Ok. Merde. Je me fais ici. Y'a plus de son là. Là c'est digne d'un film d'horreur. Attends, je vais en emmener une avec moi.
projection. Alligator. Je cherche tous les acteurs. Ouais, une petite lampe torche là. Oh, il y a rien ici. Ça c'est ouf. C'est un méga entrepôt avec des fausses pièces. Et moi je suis rat de laboratoire. Bleu. Ok. Il y a des trucs là. C'est le complexe. Quoi ça que j'ai dessiné sur un plan là? Je peux écrire là-dessus? Attends, faut que je retourne de l'autre côté, faut que j'aille voir. Ah non, ça n'a rien écrit sur le mur. Ah non. Il n'y a rien à faire de toute façon. Ok, bon, bah allons-y, let's go. Genre, il y a une passerelle là-haut. Okay. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Tu peux ouvrir? Bon, bah, j'ai pas le choix, hein. On retourne dans notre belle musique, hop, on déclenche tout. C'est la même porte, oui. Un extincteur. J'ai éclaté. Le mec, il veut tous faire les extincteurs. Les extincteurs. Ça sera la perspective, ça. Attends, avant. Et rien. Hop. Tu veux pas me le faire à moi? Attends, ouais. Un extincteur. Je vais tout éclater, tous les extincteurs. C'est mon objectif et les systèmes d'incendie. Bah tiens, déclencher suffisamment d'alarmes incendie. Bah tiens, succès. Et pareil pour les extincteurs. Ah non, c'est trop petit ça. Ça devrait le faire. Vérifions. Extincteur, ok. Je me suis dit, moi je vais tout faire. Chaque truc que je vais voir, je vais tout se dédiquer. Et bon. Ok, bon, bah let's go. Hop. C'est quoi ça? C'est quoi cette tâche bizarre hein? C'est un bug? Des valises.
qui change dans la perspective. Ok, on va aller à côté. Ah, il y a encore un autre cube. Là, il y a une croix. C'est le père. C'est un pot de fleurs. Il est là. What? Quoi? Oh putain. C'est pot de fleurs ici. Il faut que j'aille là-bas. Mais comment je fais? Mais comment je fais s'il n'y a pas de perspective? S'il n'y a pas de... Là, on est bon. Maintenant, là, le cube a l'air parfait. C'est ce putain de pot de fleurs qui manque. Il y a eu un bruit là. What? J'ai bougé en fait, il est venu ici. Oh, il est fou, il est fou. Voilà. Wow! C'était même pas un cube! C'est un demi-cube! Ok, vas-y. Ah, c'est un escalier. Ok. J'ai rien oublié? Vous avez vu. J'ai oublié quelque chose. Et on va tout faire péter. Ok. Ah, le truc de fou, il fallait que je vienne ici pour que la table vienne sur la table. Table inception. Hop, 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 hop. Ok.
Il manque une partie là. Non, me dis pas qu'il y a un reflet. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des gonds de porte. De ce côté, y a rien. L'aligner avec ça. Est-ce que... Ah, ça va me brainer là. Attends, y a un truc là. Y a pas un machin pour me faire monter là-haut? Attends, ça là. Ah, bah ça, voilà. Ah, voilà. Je me fais chier depuis tout à l'heure. Hop. Perspective et réalité. Voilà. Ça, c'est le reste de la porte. Hop. C'est ouf. C'est ouf. Ah putain. C'est trop ouf. Attends, on va laisser la porte là. On va prendre ça plutôt. C'est tellement ouf. Avant de partir, y a rien, ouais, on se casse. Ok. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce.
and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. D'accord. Oh, regarde-toi. On sait jamais. Ok. Bon, bah. C'est quoi ça? Ah, c'est des roues. Bien fait, hein, les petits reflets. Hein. Ok. Oh, c'est une pièce d'échec, ça. Attends. Ok, il faut que je monte. Pardon. Ah, on va bien. Un truc qui m'a chatouillé le pif là. Alors. Déjà. Attendez. J'ai les yeux qui pleurent. Patrouille d'incendie. Il faut que je monte là-haut. Ah, ok. Hop. Là-haut, mais je suis pas Spider-Man. Attends, est-ce que... Ah bah non, je peux pas passer avec des pièces. Ah merde. Ok, j'ai compris. Faut pas que je monte là-haut. Faut que je monte que sur ce cube pour... Ah bah si, je peux monter. Ah bah je peux monter, voilà. Hop. Waouh. What? Oh, attends. What the fuck? Ça a enlevé la pièce du mur, ça fait un trou. Système d'incendie. Danger électrique. Choc hasard. Ok. Attends, parce que là, il y a une porte. Le passage secret des optiques. D'accord. Attends, mais ça, je vais le garder, ça.
bizarre ce bout de sol. Ok. Et je l'emmène avec moi. Dehors. Pas un petit peu petite cette porte hein. Ah mais je peux pas aller dedans. Oui ça sert à rien, on s'occupe. C'était juste pour le trouver. Voici sur la passerelle en haut. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Exacteur. Incendie. Je me méfie maintenant. Truc de perspective là. Ok. Ok. Tiens, hop. Une fausse porte. Et un truc à. Pourquoi les trucs sont ouverts avec des baguettes jaunes hein? Faut que j'attrape la lune. Ah non. Et j'en branle quoi après? What? Ah mais non mais viens ici. Voilà ce qu'il nous faut. Attends le reste, je peux l'attraper? Ah ouais. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Je peux le mettre n'importe où. Ah, ça brille. Putain, c'est la porte d'ici. Attends, y a rien d'autre? Fronton, c'est ouf. Ah, système d'incendie. Tu mets la lune où tu veux après. Mais c'est dingue. Alors je te mets ce truc là, hop. Et en fait je vais là. C'est ouf. J'adore ce putain de jeu. Vraiment cool. Alors, vraiment trippant, quoi. On a rien oublié. Ouais, on fait une dernière vérif. Incendie, ok. Ici, ok. Ok. On s'en fout. Incendie, ok. Ok. Ha!
The moon. Allez. Ah. Ce que je l'ai fait. Allez, parti. Allez, on s'en dit. Hop. T'es obligé de tout regarder, hein. C'est le jeu, il va t'apprendre à chercher, hein. Hop, extincteur. Alors. Trois sur cinq rêves par nuit. Par contre, j'ai pas d'âme ou quoi, je suis dans mon rêve, j'ai pas de reflet. Ah, on est revenu. Quelle heure? 4 heures. Il était 3 heures. On est revenu, est-ce que c'est... Les couleurs sont pas les mêmes. C'est putain, c'était comme ça tout à l'heure. Extincteur il était. Et je l'ai pas activé. Non, je suis en train de tout refaire là en fait. Dans une boucle. Ok. Ok, let's go. Oh non. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Ils aiment pas qu'on prenne des chemins alternatifs, hein. Ok, il y a le cube là. Oh putain, ça me fait... Ah, ça me fait vraiment un truc dans les yeux, là. C'est voir quelque chose, hein. Ah, c'est pouah, la vache. Mais mec, ah, ça m'a tordu les yeux. Même que au milieu, l'effet, il y a un effet, là, c'est bizarre. Hein. L'effet au milieu, là. C'est vraiment l'effet au milieu, là. Ça me tord les yeux. Bon, on a récupéré notre cube. La poubelle ne sert à rien. J'essaie de regarder de côté, mais bon, bon ça ne change rien. Oh putain, elle m'a fuck les yeux, hein. Vache.
un peu haut là. Hop, ok, on a rien oublié. Acteur comme ils tous. Hop. What? Ah putain. Ok. C'est une paroi. Je peux pas bouger. Cubisme. Ah les mecs, ils ont bossé leur truc hein, parce que putain. Des perspectives de ouf qu'il y a, c'est dingue. Allez hop, hop, hop. What? J'ai un bout de sol. Ah putain. Il est sorti. Ok. Je peux pas passer. Ok, bon ben. Fais louper un extincteur. Y'a pas un truc d'alarme maintenant là. Truc à choper, non. Je peux me mettre accroupi, d'accord. Ok, bon, alors, il reste plus qu'à aller dans le trou, hein. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. On récupère, on l'emmène avec nous. Attends.
pas avec ça, j'ai pas pensé ça. Éclater une canette par machin. Ça, c'est le truc que j'ai oublié, tiens. C'est vrai qu'il y avait quelque chose peut-être avec ça. Je peux l'enlever. Ah non. Mais c'est... si je le lâche là. Ah non, il reste là. Ok, ok. Bon, bah. Bah, let's go alors, hein. C'est dit. Les trucs sont distordus là. L'extincteur, il est asthmatique. Hein? Quoi? What? C'est quoi? What? Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Terrible. C'est plein de petits cubes. Vas-y, laissez-moi passer là.
Ok. Parce que là, pour l'instant, ça va. Ah. C'est des escaliers, mais c'est une pente. Wow. Merde, je voulais regarder. Waouh. Hein. Je peux pas prendre. Où est mon reflet? Je n'ai pas d'âme. Loading au-delà et vers l'infini. Ok. Il est 5 heures. On a commencé, il était 3 heures, je crois. 4, 5 heures. Eh ben, on va s'arrêter là. On va faire un break hit. On va manger. En tout cas, bah franchement, c'est une bonne expérience, une bonne découverte. Pour aimer l'observation, la réflexion, c'est pas mal hein, pour faire travailler le cerveau et l'observation. Et aussi bah, la réflexion, quoi. Mais c'est vraiment bien foutu, hein. Franchement, les mecs, ils te tordent le cerveau et ils font vraiment tout avec la perspective et les profondeurs et tout ça, quoi. C'est vraiment bien. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.